Ça pue dans les affaires. La mode est aux investisseurs, madame Augustine. Si on n'en trouve pas un dans les 2 mois, il faudra mettre la clé sous la porte. 2 mois ? Eh ben le baron von Firstorf ! Von Firstorf, le milliardaire ! C'est millions. Et il aide les orphelinats ? Oui, il les sélectionne lui-même et il est très généreux. Très généreux ! Des orphelinats ? Avec des orphelines ? Oui, des orphelins aussi. Vous êtes des orphelines, et devant l'allemand, vous restez des orphelines. On monte pas avec les clients. Avec les clients, si, mais pas avec lui. Avec lui, vous êtes des orphelines bien élevées et vierges. À 18 ans, on ne ferait plus faire de saute-mouton dans les fougères. Voilà votre femme. Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Voilà votre femme. Ma femme? Oui. Elle vient pour l'orphelinat. Bon ben, un orphelinat! Puis vous, vous allez rester par la piquée dirigée vers... Solange, l'écolier, un orphelinat! Pas d'élan, pas de frime, restons humbles, ma foi. Je cherche le Rose et Close, mais ce n'est pas du tout. Allez les filles, vite, on a du travail. Alors, cette desserte-là, vous la mettez ici. Le guéridon, vous l'accolez au bout, ça nous fera une grande table. Oh, une nouvelle. Elle est rondelette. Allez les fillettes, laissons cuisine. Au bout, la la i la la i. Qu'est-ce que vous faites déguisé en curé, vous? Je suis pas déguisé en curé. Ben, si. Ah oui, peut-être un peu, là, le... Nos petits clients, on les dorlote, on leur fricote, on a la poiture, on leur prépare, on gibele, on gibele, les petites, sans parce qu'aucune à leur mesure. C'est nous, les rois des petites affaires, des petits larcins sans envergure, pas de celles qui vous rendent millionnaires, celles qui